I gotta fill you all in about a Rosie Madone, who's unemployed, three kids, and a cat at home. Quand Pastis a vu que je m'agitais au-dessus des fourneaux, il a fait un bond jusqu'à mes épaules. Là, il a décidé qu'il ne faisait pas assez chaud et que j'avais besoin d'une écharpe. Et c'est autour de mon cou qu'il s'est enroulé, humant tout ce que je préparais, nonchalamment perché sur mes épaules. Il est vraiment doué en tout, ce matou. Et oui, c'est pas évident de se maintenir en équilibre sur un cou secoué comme un sac de patates. J'ai fait revenir l'oignon, j'ai ouvert la boîte de tomates pelées et j'ai fait bouillir de l'eau pour les spaghettis. J'avais les yeux rouges à cause des oignons. Mon téléphone grillon. J'ai hurlé. Vite, vite, téléphone! Les enfants sont arrivés en courant et c'est Emma qui a trouvé mon portable avant qu'il n'arrête de sonner. Elle l'a passé à Sabrina qui l'a ouvert et qui l'a tenu contre mon oreille pendant que je continuais à cuisiner. On est rodé pour ce genre de numéro. C'était Gaston. Did she turn the money in or deposit it? Where did it come from and why was it thrown in the trash? And what will happen if they come looking wanting it back? Action packed with laughs and all of the above. Download this book now to find out what she does.